elles sont nues. Bon ben les amis, salut à tous. Vidéo très particulière parce que l'heure est venue, hein. L'heure est venue de me couper les cheveux. Ah. Et vu que je ne suis pas coiffeur et que je ne me suis jamais coupé les cheveux tout seul, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et la partager avec tous mes grands amis et tous mes abonnés. Avant ça, je vais pisser parce que j'ai envie de pisser quand même. Voilà, je suis de retour. Le sabot, j'ai la tondeuse mais j'ai pas le sabot. Où j'ai foutu le sabot, mec? Ah ben il est là. Voilà, alors les amis, je vous présente ma tondeuse One Blade. D'accord? À ce qui paraît, ça coupe très bien. Moi je m'en sers pour la barbe, les contours, tout ça. Et puis ça, c'est le sabot qui est réglable. Donc moi je suis quelqu'un qui... Putain, je stresse rien que de faire la vidéo, ça me stresse. Jamais... Je vous l'annonce, ça risque de finir en boule à Z l'histoire. C'est sûr. Voilà, c'est pas un défi. Quand il faut y aller, faut y aller. Allez, c'est parti. J'en fous partout. Même la tondeuse, elle le souffre. Je prends les miroirs. Ça sera mieux. Waouh. Oh là là. Je pense qu'après ça, la tondeuse, je vais la jeter. Hein. Je pense que... Tu commences à comprendre comment ça va se finir. Hein. Oh là là, ça va être horrible. Ah, ça fait mal. On va essayer une coupe. Hein. Putain, j'ai envie de devenir coiffeur et tout, mec. Attendez, j'ai une idée. Bougez pas, j'ai une idée. Ça. Là, on est pas mal là. Si je suis le trait, normalement, ça devrait le faire, non? No, God! No, God, please, no! 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 Regarde ça. Regarde ça. T'as vu un peu ou pas? Là, j'ai pratiquement fait un côté. Parce que là, déjà, les côtés. Regarde ça. T'imagines, frérot, obligé de mettre une ceinture autour de la tête pour avoir une délimitation. Bon, là, jusqu'à là, les gars, honnêtement, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, tu vois, ça sert à quoi d'aller chez le coiffeur? T'appelles quoi, moi, tu viens te couper les cheveux à la maison, toi. Regarde ça. Pas magnifique, ça? Là, là, pour l'instant, les gars. Et comment je vais faire pour couper l'arrière maintenant? Oh, putain de merde, c'est une merde ça! Aïe! Ça fait mal! Ça fait mal! Aïe! Oh, comme de ta mère! Oh, mais il y en a encore beaucoup, gros! Là, faut que je change de tondeuse. Je vais mettre une t-shirt. En vrai, j'ai presque envie de rester comme ça, j'ai vu. Ça passe, gros! Salut, c'est Internet, c'est Kamo! Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'avais plus de batterie dans la caméra et puis la tondeuse me faisait trop mal. Du coup, je suis allé en acheter une. Elle est là. Toute neuve. On va voir si elle marche bien. Les trucs neufs, en principe, sont censés bien couper, tu vois. Alors, voyons voir ça. Ça a l'air d'aller, hein. Alors, on va remettre ça. C'est reparti pour passer pour un débile. Mais on s'en fout, mec. A few moments later. Comme ça.
Ah. Ça, on l'ajuste. Oh là là, ça promet, mec. Déjà, ça coupe mieux, les gars. Aïe. Ah oui, putain. Ah, ça coupe beaucoup, beaucoup mieux. Tiens, là, ça fait des guilis à la tête. J'ai mal au bras, mec. Putain, ça... oh là là, ça ressemble à quoi tout ça? Ça a l'air d'aller là. Oh putain, ça a l'air d'aller, gros. Je suis content. Fais voir. Oula. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, gros. Gros, ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas, c'est pas droit. Voilà, maintenant on va faire ça. En tout cas, elle coupe bien la tondeuse, je suis content, putain. Oh, c'est dur de faire à l'aveugle, oh. Ok. Ça, c'était pour le dégrader, quoi. T'inquiète, on va y arriver. Après, un peu pas te dégrader, mec. Ok, maintenant on va mettre un sabot. On va pas y arriver. Est-ce que vous pensez que si je commence direct par là? J'ai envie de pleurer, frère. Pourquoi j'ai fait ça? Oh. Non. Non. Ben si on a commencé comme ça, il va falloir finir comme ça, gros. Non! Putain, j'espère que ça va bien aller. Oh les gars, en vrai, on dirait un hooligan. 2 hours later. Fais la démarcation qu'il y a entre ça et ça, quoi. Aïe. Mec, j'ai la boule à Z, mec. Dédicace à tous les chocs. Oh, ça fait. Oh, oui, comme ça fait. Chelon. T'imagines le mec il vient, il me dit, je suis coiffeur, il vient me voir, il me dit oh, tu me fais un dégradé, il ressort avec une tête comme ça. T'imagines, et en plus il paye. De toute façon, le retour arrière quand tu es coiffeur ça n'existe pas. Hein, c'est... Heureusement que ça repousse, frérot. Au début de la vidéo j'ai cru. Je me suis dit ouais, peut-être, tu vois. Mais non. Là je me rends bien compte que non. Pas possible de faire un dégradé, c'est tout seul, frère. Faut être coiffeur, et même le coiffeur, il y en a, ils font pas. Bon. Putain, mon monteur, quand il va voir ça, je crois qu'il va rigoler tout seul. Je savais même pas que mon crâne il avait cette forme. Voilà, dans le titre de la vidéo, tu peux le mettre, le titre ça tourne mal, tu vois, parce que là, ouais. Là, ça tourne mal. Bon, les gars, vous savez quoi? Je vais terminer ça dans la douche, là où il y a deux miroirs. Et je reviens une fois terminé, une fois que j'ai pris la douche. Et je vous montre le résultat en vidéo. A tout à l'heure. 2000 years later. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Ok. Oh, putain. Alors, je vous explique. Je peux faire trois choses avec cette coupe. La première, c'est faire croire que
j'ai une maladie grave et que bon ben je suis pas loin de sentir le sapin, tu vois. La deuxième, ben je peux faire le tueur à gages dans les films, tu vois. Ça c'est à moi que tu parles là. Y'a un problème frère. Et la troisième, je peux faire le moine dans les séries. Enfin bref, ce fut une très mauvaise idée. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura bien diverti. Voilà, ça fait bizarre. Quand je mets des t-shirts, ça y a tout qui grippe. Quand je me lave la tête, je sais plus s'il faut que je me lave la tête avec du shampoing ou avec du gel douche. Je sais plus. Pourquoi les shampoings quand t'as des cheveux, c'est bien, mais quand t'en as pas, tu te laves la tête avec quoi? Avec du gel douche ou avec du shampoing? Enfin voilà, c'est des questions que je m'étais jamais posées avant, tu vois ce que je veux te dire? Ça va mettre du temps à repousser. Dites-moi dans les commentaires, n'ayez pas honte. Si ça me va bien, si vous préférez comme ça, si vous préférez comme avec des cheveux ou sans, dites-moi dans les commentaires les amis s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura fait rire, vous aura fait passer du temps. Dans tous les cas, fallait que je me coupe les cheveux. J'ai essayé de faire une belle coupe, je n'ai pas réussi. Donc au final, eh ben on a tout rasé, voilà. Première fois de ma vie que je me coupe les cheveux comme ça. Première outro que je fais comme ça aussi. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. On est en train d'en faire de plus en plus, voilà. Donc j'espère que ce format vous plaira. Et si vous avez des idées d'autres vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ciao et à très vite l'équipe. Merci. Tu vois, ça sert à quoi d'aller chez le coiffeur? T'appelles quoi moi? Viens te couper les cheveux à la maison, toi.